Coucou, c'est Chérinette. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Ah, je suis tellement, tellement, tellement impatiente. Comme vous pouvez voir, j'ai rien touché, j'ai laissé comme ça. Je suis super impatiente de pouvoir vous montrer déjà d'une la toile, la boutique et vous parler de quelque chose que je vous cache depuis un bon moment déjà. Mais j'attendais de recevoir la toile, j'attendais d'avoir voilà, que tout se mette en place. J'ai trop, 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 trop hâte. Aujourd'hui, on va parler de la boutique L'Essentiel ADP, tenue par Vicky, que j'ai découvert grâce à TikTok et aussi après par la suite sur YouTube. On ne l'a pas trop vu sur YouTube, donc je me suis dit que c'était l'occasion qu'on en parle. Comment vous dire? Déjà, j'adore les toiles qu'ils ont. Alors oui, je sais, je commence direct, je rentre dans le tas, vous savez comment je suis quelqu'un d'honnête, discrète, mais honnête. Et oui, je sais, il y a eu quelques petits soucis au niveau des toiles qui étaient en précommande. Il y a encore pas mal de personnes qui n'ont pas pu recevoir leurs toiles. Je sais que malheureusement, ça a un peu entaché le nom de la boutique, mais Vicky s'est rendu compte de son erreur. Elle est en train là de livrer toutes les toiles qui étaient en attente, en précommande, et elle a changé son système de vente. C'est pour ça, bien évidemment, que j'ai fait le choix de prendre cette toile-là pour directement vous parler de ça, puisque là, on va vraiment parler du nouveau fonctionnement. Les toiles en précommande n'existent plus. Puisqu'en fait, elle fait ses toiles via son fournisseur, qui les travaille à la main, qui les redesigne. Ça prend énormément de temps, ça prend plusieurs mois. Plus après la fabrication de la toile et la livraison. Plus elle après qui renvoie. Bref, c'était vraiment un temps qui était conséquent. Et même si elle a ses clients fidèles, c'est jamais agréable d'avoir des temps d'attente avec des mois et des mois. Pour avoir la toile qu'on aimerait depuis un moment. Maintenant, il n'y a plus de précommande. Première chose, les toiles que vous avez sur le site, elles sont en stock. Vous avez la partie du coup plus canadienne, etc. Ce côté des États-Unis qui est géré par Vicky. Et nous avons l'autre côté plus européenne géré par Nico qui est sur TikTok. Je vous remettrai les liens de tout le monde de toute façon. Qui lui s'occupe du coup de la vente française. Donc c'est lui qui me l'a envoyé. C'est lui qui a son stock. Ils ont chacun leur stock différent. Donc ils sont deux à gérer la partie commande. Au niveau après des toiles possibles, vous avez du coup ce qui est en stock et vous avez du personnalisé. On va en parler juste après. Mais je vous conseille fortement de rester jusqu'à la... Alors je dirais pas la fin, je vais vous en parler au milieu parce que j'arriverai jamais à tenir ma langue jusqu'à la fin. Mais restez jusqu'à au moins le moment où je vais ouvrir la toile pour vous montrer ce que j'ai choisi parce que je vais forcément vous donner des détails que vous ne connaissez pas, que beaucoup de personnes ne savent pas encore. Et ça me concerne. Donc je suis trop 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 contente. S'il vous plaît, restez au moins jusqu'au... Allez. Milieu de la vidéo pour que je puisse vous en parler tranquillement. Mais juste pour vous faire un aparté, j'ai reçu cette toile en partenariat et je vous explique pourquoi après et comment et tutti quanti. Alors, j'ai choisi une toile qui était en stock. C'était l'une des dernières, je crois. Elle n'y est plus. C'est une toile qui est designé à la main, comme quasiment toutes les toiles qui sont en vente, sauf les persos. Et c'est une beauté, c'est une pépite. Enfin, franchement, quand on voit les toiles, alors certes, il y a moins de motifs possibles pour l'instant, puisque les nouveaux designs, il faut le temps qu'ils arrivent. Mais en tout cas, vous avez votre toile en quelques jours. Je l'ai reçue en peut-être 4 jours en mondial relais. Voilà, donc c'est Nico qui me l'a envoyé. C'est envoyé. Je ne vais pas vous montrer mon adresse. C'est envoyé du coup dans un papier comme ça et les toiles sont dans un carton. Donc on va ouvrir ça. Que vous dire d'autre sur la boutique? Et bien évidemment, ils n'ont pas que des toiles de diamant painting. Ils ont aussi des plateaux. Ils ont aussi des cover minders, des boîtes de rangement. Ils ont des stylets résine, stylets 3D quand il y a de l'impression.
Il y a aussi de la poutine. Enfin, il y a des choses qu'on va tester. J'ai une commande là qui est en cours. Donc, vous allez voir d'autres produits. Je pique les ciseaux de ma fille. Et on va ouvrir ça parce que sinon, demain, on y est encore. Pour info, Nico fait des lives quasiment tous les jours. Donc, vous pouvez voir même vos commandes en live directement. Il met quelques jours pour commander, enfin pour préparer les toiles. Voilà. Soit il fait du diamond painting en live, soit il fait les préparations de commandes. Donc, c'est plutôt cool. Vos toiles, elles sont préparées en quelques jours. Hein. Franchement, c'est très très vite expédié. Voilà comment se présente la boîte. C'est une boîte en carton comme ça, au nom de la boutique. J'ai pris une toile en diamant carré, vous me connaissez, mais elle a aussi du rond. Là, vous avez du coup tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc, une toile de peluche douce. Donc, vraiment, le tissu apparemment est très doux, avec des rebords ondulés, très important. Diamant en résine. De très bonne qualité apparemment, la pose est vraiment top, donc j'ai hâte de tester ça. De toute façon, vous le verrez dans la vidéo, vous savez qu'en général je fais un test en même temps, vous aurez le test du coup. Des étiquettes autocollantes prédécoupées pour les contenants, franchement c'est vraiment top. Alors, elle ne fonctionne pas avec des artistes, par contre c'est ses images qu'elle fait elle-même, mais pas que. Quand je dis qu'elle fonctionne pas avec des artistes, c'est-à-dire qu'elle fonctionne pas avec des artistes qui font du contenu non IA. Ça vous laisse un petit indice sur ce que je dois vous annoncer au milieu de la vidéo. Moi, je dis ça, je dis rien, hein. Si vous avez deviné, dites-le moi tout de suite en commentaire. La pépite que je vous réserve depuis quelques mois, dites-moi, dites-moi. Donc voilà la boîte et j'ai choisi le chat cosmique. J'ai adoré l'image. Alors, j'avais vu un autre modèle, j'aimais beaucoup le tigre au lot, mais il était en rupture de stock. Et quand j'ai vu du coup le chat, je me suis dit, mais oui, il est trop beau. Donc c'est une 60 par 60 en carré. Au niveau des prix, c'est pas excessif, je trouve, pour la qualité. C'est quand même des belles toiles qui ont été refaites à la main. C'est énormément de travail, du coup, en plus. Donc, si la qualité est au rendez-vous, ça me dérange pas. Mais je trouve qu'elle est dans les prix moyens. Pour cette qualité-là, en tout cas, je trouve que c'est vraiment. Moi, personnellement, un prix que je peux mettre, c'est une soixantaine d'euros, en fait, au niveau de la toile. Je trouve que, avec toutes les promesses qui sont dites, ça ne pose aucun souci. Voilà. Comme ça, on a parlé prix aussi. Donc, je découvre en même temps que vous, hein. Autant vous dire que je suis comme une gamine, hein. Mais ça risque de l'être encore plus dans les prochains unboxings. Bref, deuxième indice. Elle est livrée du coup dans une pochette, dans un petit plastique comme ça votre toile est nickel. Je vois déjà la qualité, je vais faire un petit hop, la qualité, la qualité, la qualité, la qualité. Franchement, là de ce que je vois, au niveau de l'impression, je sais pas vous, mais ça a l'air très prometteur. On est parti pour la feuille de route. Alors déjà c'est hyper qualitatif. On a le rappel de l'image. Je vais essayer de vous mettre. Hop. Regardez-moi cette beauté. Franchement, elle est magnifique. J'aime beaucoup. Moi, vous savez que les fonds foncés, ça me dérange pas du tout. Dès qu'il y a du 939 et tout, c'est une couleur que j'aime bien. Ou le 823, le 310, ça me dérange pas. C'est cette très bonne qualité, ça me pose pas de soucis. Donc, du coup, c'était généré par IA. Elle est obligée de le dire. C'est elle-même qui l'a généré. Et donc, vous avez des petits autocollants. Donc ça, je trouve ça fun. Si vous n'avez pas de boîte, elle en a. Voilà. Donc, sachez qu'il y en a sur la boutique. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, leur, du coup, phrase, c'est relax et sois créatif. Donc ça, je trouve ça cool. Vous avez le QR code si besoin. Donc ça, c'est vraiment cool. Ils sont sur TikTok, ils sont très présents. Ils sont aussi sur Instagram et Facebook. Donc ça, c'est chouette. On a là, du coup, le toolkit. Donc c'est dans un petit pochon comme ça.
Ça va être un toolkit assez classique, mais personnellement, ça ne me dérange pas. Et puis, comme ils vendent le reste, bah écoutez, de toute façon, si besoin, vous avez sur la boutique. On a du coup la petite scrunchie comme ça avec un stylet, un embout là, ici. Vous en avez d'autres là. Une pince. L'embout n'est pas très pointu. Attendez, je vais essayer de vous mettre... Hop. L'embout est un peu arrondi. Voilà, donc ça, ça va être en fonction de chacun. Mais ils sachent qu'ils ont aussi des pinces. On a un carré... Youp, de cire et un petit plateau. Voilà, c'est très simple, mais ça suffit. Clairement, il n'y aurait pas, ça ne me dérangerait pas. Bon, à part la pince, parce que c'est vrai que quand on découvre, ça peut être gênant, mais franchement, ils mettraient le toolkit en plus et qu'ils enlèveraient, comme certains font, un euro de moins, par exemple, ou quoi. Ça me gênerait pas, parce que vraiment, moi, j'ai tout ce qu'il faut, en fait. Donc, dans mon cas, à moi, ça pose pas de problème. Et on va parler, du coup, des diamants. Je vois déjà qu'il y a des AB, puisque dedans, il y a... alors, attendez. On va regarder ça ensemble. Après, les AB sont là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 AB. Il y a des métallisés et des phosphorescents. Il y a un phosphorescent, deux métallisés. Voilà, donc on va découvrir ça de toute façon. Voilà les couleurs. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, je vois les métallisés, il y en a un violet. Ça va être de toute beauté. J'adore quand c'est un sachet zip comme ça. Vous n'êtes pas obligé de les mettre du coup en... dans un rangement, hein. Il n'y a rien qui vous oblige. Franchement, il n'y a vraiment rien. Allez, on va montrer la toile. Voilà la beauté. Elle est splendide. Je vais de toute façon bien aplatir après le plastique. Et je vous ferai comme d'habitude une photo, un close-up pour vous montrer. Mais c'est une pépite. Elle est vraiment magnifique. L'impression a l'air dingue. Donc, on va commencer. Vous avez ici le rappel de l'image avec le nom, que c'est des diamants carrés, etc. L'essentiel pour agrémenter votre expérience d'épée. Vous avez là les réseaux sociaux. Vous avez de chaque côté, vous voyez, toutes les DMC. Au niveau de la toile, c'est bien dentelé. Derrière, c'est en tissu comme ça. Franchement, la qualité est nickel. C'est du coup... Hop. Un film plastique très épais. Et ça, c'est très qualitatif. On aime. Et on va tester la colle. Ça colle extrêmement bien. Et je vous montre un peu l'impression. Attendez, j'essaye de faire le focus. Vous voyez là l'impression comme elle est belle. Je vous montrerai de toute façon en close-up. Mais franchement... Elle est de toute beauté. Vous avez le logo du coup, hop, tout en haut. Elle est juste magnifique. Je l'aime d'amour. Vraiment. Vraiment, vraiment. Avant de passer au diamant, pourquoi j'ai reçu cette toile en partenariat? Non, l'essentiel ADP ne fait pas forcément de partenariat avec tout le monde. C'est une petite entreprise familiale, donc c'est pas toujours évident. Mais... Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu qu'elle avait une idée, Vicky, de mettre en place des artistes IA. Et donc, je fais partie de ces artistes IA. Et je suis trop contente. Je vais vous parler un petit peu de comment ça va se passer. Il y a des surprises que je vais vous garder, bien évidemment. Mais je risque de vous en parler forcément pendant un moment, je le souhaite. Mais en tout cas, pour l'instant, le partenariat est pour un an. Puisque il y a des images que Vicky a choisies, que vous allez avoir sur la boutique avec cette qualité-là, dont une. Alors, je vais voir Vicky si j'ai le droit de l'afficher, sinon je vous la mettrai pas. Malheureusement, je vous mettrai avec un point d'interrogation, mais je vous laisserai choisir. Si j'ai le droit, je vous la mets maintenant, sinon s'il y a un point d'interrogation, je vous laisserai deviner. Faut que je vois avec elle ce qu'elle m'autorise à dire ou non.
mais elle a choisi une de mes images qui est actuellement en cours de design, donc pour la refaire vraiment comme ça, pour tout redessiner, pour que du coup il y ait y ait pas trop de confettis, etc., pour que du coup la toile soit nickel. Je suis trop 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 contente. Elle va pas sortir tout de suite, je pense que ça sera plutôt début d'année prochaine, le temps qu'elle soit designée, etc. Mais en tout cas, voilà, je suis contente. Et donc, elle m'a envoyé cette toile pour que je puisse bien évidemment vous en parler et que je puisse, voilà, vous partager mon expérience et vous montrer par la suite les images qui seront en vente. Parce que oui. Il y aura cette fameuse toile pour l'instant choisie, il y en aura sûrement d'autres qui arriveront sur le site. Mais il y aura aussi, pour ma part, donc nous sommes plusieurs, et donc pour ma part, ça sera décembre et juin. Nous aurons du coup pendant 15 jours, donc les 15 dernières semaines de décembre et les 15 dernières semaines de juin, mes images que Vicky aura choisies, je ne sais pas lesquelles c'est, donc ça sera la surprise, vous aurez la surprise en même temps que moi, qui seront disponibles en personnalisé. Pourquoi? Parce que du coup, Vicky fait des personnalisés avec des images IA. Des images des artistes qu'elle a choisies et des images qui nous sont propres. Si vous avez une image IA que vous avez faite, vous avez envie de la faire chez elle, il n'y a pas de souci. Par contre, tout ce qui est image de famille, votre photo de mariage, ce genre-là, elle ne fait plus, elle ne fait que l'IA. Mais sur son site, vous verrez, elle renvoie à la boutique Méli-Mélo. Donc je vais pas tarder à vous parler aussi, vous allez très vite le voir, qui est une boutique qui s'entend, enfin les deux boutiques s'entendent extrêmement bien. Et donc, Mélanie, donc de Méli-Mélo, s'occupe de faire toutes ces toiles-là. Donc, on testera bien évidemment aussi. Mais si vous avez envie de faire une perso, c'est que des images IA qui vous sont propres. Petit aparté. Oui, il y a une toile qui est pour l'instant une image qui est en cours de fabrication. Oui, fin décembre et fin juin, vous aurez un certain nombre de types d'images. Il y en aura 10 que Vicky aura choisi. Mais Vicky m'a bien évidemment autorisé à vous renvoyer chez elle. S'il y a une image parmi la liste que vous avez dans ma bio qui vous plaît, vous pouvez bien évidemment la faire chez elle en perso IA. Je vous donne mon accord. Voilà, sachez que si vous passez par sa boutique, il n'y a aucun souci. Si, imaginons là, vous voyez que la toile vous plaît, la qualité vous plaît, ou si vous connaissiez déjà et que vous avez une image coup de cœur et que vous avez peur qu'elle ne soit pas dans les 10 choisis du décembre ou 10 choisis de juin, que vous la voulez avant, il n'y a pas de souci. Vous me le demandez. Vous venez me voir, vous me dites Aurélie, j'adorerais faire cette toile-là avec l'essentiel ADP, j'en parle à Vicky et il y a zéro problème. Voilà, sachez-le. Donc voilà la nouvelle. Je suis trop contente. Ça me permet quand même moi de pouvoir tester d'autres boutiques à côté, mais en même temps ça me permet aussi de pouvoir vous proposer mes images avec une qualité qui, j'en doute pas, a l'air vraiment dingue. J'ai choisi cette boutique-là aussi pour faire ça. Parce que même si je n'ai pas encore testé, je sais la qualité. Je sais parce que je commence à bien connaître maintenant depuis quelques années. Vous savez que j'ai eu une autre expérience avec une autre boutique qui s'est pas forcément bien finie. Peut-être que j'en parlerai à un moment donné. Je pense que ça serait l'occasion de faire un blabla dessus. Si ça vous intéresse, mais bon, en général, tout le monde il est curieux de savoir pourquoi ça s'est fini. C'est toujours comme ça. Mais là, en fait, la qualité, rien que déjà au niveau du layout, n'a rien à voir. Alors, bien évidemment, mes images IA qui seront en personnalisé chez elle fin décembre et fin juin, ou celles que vous ferez en personnalisé pour vous, elles ne seront pas retravaillées comme ça. Hein, on est bien d'accord que ces toiles-là qui sont mises sur la boutique en stock, il y a des mois et des mois et des mois de travail derrière. Donc, si vous faites une perso IA, que ce soit mes images ou les vôtres, il faut compter à peu près un mois et demi de fabrication, mais il n'y aura pas ce design-là. Donc, réfléchissez bien aussi en vous disant que
vous aimez la pose, vous aimez la toile, etc. Ça sera exactement ce style de toile-là. Il n'y aura rien qui changera à part le layout. Il ne sera pas retravaillé à la main. C'est la seule chose qui changera. Je pense avoir tout dit. On va passer au diamant et au test. Mais en tout cas, je suis trop contente. Je me suis retenue vraiment de vous en parler parce que je voulais être sûre. Je voulais me faire mon avis avant. Je voulais que ça se passe bien. Voilà. Quand on a eu des mésaventures avant, on a envie que ça se passe bien. J'ai envie de vous envoyer vers vraiment quelqu'un où je sais que la qualité et top, et ça se confirme en fait. Je me suis pas trompée. Alors, on n'a pas vu la pose, bien évidemment, mais les vidéos de live et tout, j'en vois tous les jours. Ça fait des mois que j'en vois. Des mois avant de vous en parler. J'ai mis même un certain temps avant d'accepter. J'ai pas accepté tout de suite la proposition de Vicky, vous vous doutez bien. Donc, voilà, je suis trop contente. Sachez que tous les 15 derniers jours de chaque mois, il y a d'autres artistes avec des styles différents. Maintenant que je vous en parle, je vais pouvoir vraiment vous le partager. Il y a Cindy qui est passée au mois de septembre. Ces images, elles ont cartonné. Je suis trop contente. Là, en ce moment, c'est une autre artiste. Et franchement, je suis vraiment contente parce que, en fait, si vous voulez, c'est juste le plaisir de voir nos images faites chez vous. Certes, en compensation, on va dire ça comme ça, c'est un partenariat. Donc là, j'ai reçu une toile gratuite. Je recevrai peut-être deux, trois trucs comme ça de temps en temps. Mais en fait, il n'y a aucune rémunération. Sachez-le, vous savez que je suis 100% honnête. Pas du tout. C'est, on va dire, un moyen aussi que nos images ne tombent pas entre de mauvaises mains, entre des vendeurs scrupuleux AliExpress, etc. Là, on sait qu'elle a nos images, elle en prend soin. Et certaines seront de cette qualité-là et d'autres seront d'une qualité équivalente au niveau toile, mais pas refaite à la main. Ça, il faut le savoir. Donc, il faudra bien y réfléchir avant de faire votre choix. Voilà, on passe au diamant. Mais j'étais tellement contente de pouvoir vous partager ça et donc ça va durer toute l'année. Voilà, n'oubliez pas, si vous avez des coups de cœur, dites-le moi et surtout, 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 restez connectés. Les deux dernières semaines de décembre et les deux dernières semaines de juin, je vous prépare des petites pépites, je vous le dis. Allez, on passe au diamant. Alors, bien évidemment, je vais pas vous montrer toutes les couleurs, je vais vous montrer celles qui nous intéressent, c'est-à-dire les AB, les métallisés, etc. Mais je vais quand même vous montrer. Alors, attendez, je vais sortir celles qui m'intéressent. Hop. Je vais vous montrer quelques du coup DMC. Je vous montrerai de toute façon sur plateau quand je vous montrerai le test. Est-ce que je vais réussir? Voilà. Donc ça, nous avons là le 310. Ils sont tous dans l'ordre. Nous avons le 820. Et comme vous pouvez voir, ça brille beaucoup. Et c'est bien de la résine, ça y a aucun doute là-dessus. Attendez, mise au point. Voilà, y a rien à dire, rien à dire. La qualité est juste dingue des diamants. Ils mettent, si je me trompe pas, 15% de plus pour chaque DMC pour que vous puissiez vraiment avoir tout ce qu'il vous faut. Regardez, ne serait-ce que là, ils se sont légèrement alignés. Vous voyez, imaginez en plateau. Ça va être pépitas, pépitas, je vous le dis, je vous le dis. Donc voilà, je vais ranger ça direct ce soir, vous vous doutez bien, et je vais la commencer pour pouvoir vous la montrer, c'est sûr. Là, on est samedi, normalement ma vidéo sort lundi, je vais faire que ça du week-end, c'est une évidence. Allez, je vous montre, petit aparté. Donc, on a ces diamants-là. Sachez que vous allez le voir de toute façon puisque j'ai la commande qui va pas tarder à arriver. Pour chaque toile, vous avez les washi tape associés. Donc, si je veux, il y a le washi tape, chat cosmique ou autre. Il y en a beaucoup. Sachez aussi qu'il y a, donc comme je vous ai dit, plein d'autres accessoires, mais la chose, mais je l'ai pas pu le prendre parce qu'il n'y en avait plus, mais je pense que c'est parce que du coup la toile, il n'y en a plus. Vous avez des diamants,
Donc, vous avez des diamants pailletés sur le site et vous avez aussi des diamants métallisés. Et vous savez aussi, et c'est la première fois que je vois ça, je trouve ça génial, des petits kits supplémentaires avec 3 DMC de diamants pailletés. Parce que dedans, il n'y a pas de diamants de pailletés. On a des AB démétallisés et un du coup phosphorescent. Et si vous voulez mettre des métallisés, il n'y a pas de souci. La boutique propose 3 DMC qui correspondent à chaque toile. Et ça, je trouve ça génial. Ça coûte moins de 7 euros, hein. Pour moins de 7 euros, si vous voulez, en plus de vos toiles, vous pouvez rajouter des diamants pailletés pour 3 DMC. Ou alors, vous les achetez à l'unité. C'est vous qui voyez. Elles sont à 3 euros et quelques, je crois, le sachet. Mais là, en fait, pour 6 euros et quelques, vous avez de quoi mettre celle-ci. Bon, moi, du coup, j'avoue, je l'avais pas vue avant. Donc, je vais pas le faire. On va faire la toile comme elle est habituellement, c'est pas un souci. J'ai quelques diamants pailletés à la maison si jamais j'ai besoin. Si j'ai envie de remplacer, je remplacerai. Mais en tout cas, sachez que c'est possible et ça, je trouve vraiment l'idée top. Allez, on est parti. Donc, nous avons en diamants spéciaux le premier phosphorescent qui est un bleu comme ça. Première fois que j'ai un bleu phosphorescent. Vous savez qu'on avait découvert ça il n'y a pas longtemps sur une autre toile, donc écoutez, c'est plutôt cool. J'avais adoré les poser, donc on va voir où ils se trouvent. C'est du coup ce symbole-là qui est le 59, et le phosphorescent, et eh bien ça va être assez simple, on va en avoir sur toutes les zones bleu clair. Je vais vous zoomer. Le phosphorescent, de toute façon, ça va être assez simple. On va en avoir dans toute la zone là, ici. Toute la zone bleu clair, tout autour, ça va être phosphorescent. Vraiment tout autour du chat. Donc ça, c'est plutôt cool. On va en avoir... Est-ce qu'on a là? Non. On va en avoir un petit peu là, je crois. Et c'est à peu près tout. C'est vraiment tout autour du chat. Voilà, donc le parti phosphorescent, ça va être tout autour du chat. Mon Dieu, qu'il est beau. Nous avons un rose métallisé. Regardez-moi cette beauté. C'est une pépite. Regardez-moi ça. Ils sont magnifiques. Ça, on va essayer de le tester, hein. Je vais vous montrer en plateau de toute façon. Donc c'est le 60 et donc c'est le symbole féminin. Et en fait, on va en avoir tout le tour. Attendez. Hop. On va en avoir tout le tour là, des spirales. Voilà, tout autour. On va en avoir où? C'est vraiment le rose clair. Vous voyez, on en a un petit peu là. De l'autre côté, on n'en a pas. Et on va en avoir ailleurs ou pas? Je suis en train de regarder en même temps. On en a un petit peu au niveau de la lune, ici. Voilà. Un peu dans les oreilles. Dans cette oreille-là, on en a. Autant vous dire que je m'étais dit que je ne commencerais pas de toile tout de suite. Est-ce que je vais écouter ce que j'avais dit? Non. J'attendais cette toile pour la commencer. C'était une évidence. Donc, je crois que c'est à peu près tout. Vraiment, ici, là, la zone bleu clair dans l'oreille au niveau de la lune. Voilà pour, du coup, le rose métallisé. Après, nous avons celui-là. Comment vous dire? C'est une... Voilà. Voilà. Et puis, alors, ça rigole pas sur la quantité, hein. Regardez-moi ça. Je sais que beaucoup aiment les métallisés, donc là c'est l'occasion, hein. C'est l'occasion. Donc j'imagine qu'il y en a pas mal. Donc c'est ce symbole-là qui est la croix. Nous en avons donc. Est-ce que vous le voyez? Non. Nous en avons ici. Nous en avons tout là. Alors attendez, je suis un peu. Je vais vous descendre un peu, ce que vous voyez un peu mieux. Voilà, vous en avez tout ici, tout là, là, dans la spirale qui est ici, ici au niveau du chat, on en a un petit peu là, un peu dans la lune, un peu ici, on en a vraiment partout, partout, partout. Et donc, ça va être magnifique à poser. J'ai trop hâte.
métallisé pépitas, pépitas. Et après, on a du coup les AB assez classiques, mais que je sais que beaucoup de personnes adorent. Donc on a le 208. Le 208, il va y en avoir. Et voilà, on en a par parcimonie à cet endroit-là et ici un peu en bas là. Niveau d'ici des constellations. On n'a pas énormément de ce AB là. Après, on a un AB jaune comme ceci, le 743. Et donc par logique, ça va être du coup dans toute. C'est ça. Dans toute cette partie-là. Ici, au niveau de du bas de la toile. On en a ici. On en a dans la Lune. On en a dans l'autre constellation, enfin dans l'autre planète là-bas. On en a au niveau des yeux. On en a de les moustaches. Ouais, c'est par parcimonie. Il y en a à plusieurs endroits, le jaune. Hein. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, on a celui-là, 961. Il ne doit pas y en avoir beaucoup parce que vraiment, il y en a très très peu. Et comme je vous ai dit, il y a 15% de plus. Donc, à mon avis, ça va être à des petits endroits. C'est ça. Donc, on en a dans cette partie-là, mais vraiment très très peu. C'est des toutes petites touches. On en a où? On en a un petit peu. Chaque fois, la toile est grande. On en a un petit peu ici aussi. Un petit peu de l'autre côté du chat. Un peu dans la lune. Un petit peu dans les oreilles. Enfin, vraiment, c'est vraiment par toutes petites, petites touches. Après, il nous en reste deux. Donc, on a celui-là. Pareil, il ne va pas y en avoir beaucoup. À mon avis, ça va être dans cette zone-là. Donc c'est le point d'interrogation et le point d'interrogation, il y en a où? C'est ça. Il y en a ici. Un petit peu au niveau de l'œil, un peu au niveau de la lune. C'est par parcimonie aussi. Toutes les zones un petit peu orangées, il y en a des petites touches, mais vraiment petites, petites touches. Et le dernier, du coup, c'est le AB blanc, le classique, le 5200. Et lui, par évidence, il va être sur toutes les zones blanches. Puisque c'est ça, c'est vraiment tous les petits points lumineux, c'est-à-dire tous les petits points blancs là que vous voyez, il va y en avoir. Vraiment toutes les petites, comme les petites étoiles en fait, ben c'est là où il va y en avoir. On en a au niveau des yeux, on en a au niveau un peu de l'oreille, on en a tous les petits points là. Vous voyez vraiment tous les petits, petits, petits points, ça va être du coup du blanc. Ah, ben, vraiment un bonheur à poser de ce que j'ai pu voir. On va regarder au multi, on va regarder aussi si le diamant claque. Moi, je vais poser de mon côté tout le week-end. Et puis, je vous reprendrai lundi matin avant la sortie de la vidéo le soir pour vraiment vous faire un point, vous faire écouter si ça claque, si ça claque pas, etc. Comme on fait d'habitude. Je vous dis à tout de suite pour vous. Et puis, moi, je vous retrouve du coup lundi matin. On se retrouve du coup lundi matin, j'ai fait mon carré, je vais vous montrer vraiment la pose après. Là, sachez qu'il y a le gros spot au-dessus, c'est un peu comme s'il y avait la tablette lumineuse en dessous. Donc si vous voyez des micro-écarts, c'est tout à fait normal. En plus, pardon, j'ai posé au multiplaceur, il y a des morceaux de colle et tout. Enfin bref, ça va être nettoyé à la fin, vous vous doutez bien. Il y a juste là où il y a une ligne parce que du coup j'ai mal placé mes diamants que je repasserai, que je reposerai après correctement. Là, je voulais poser avec vous les diamants spéciaux. Il me semble du coup qu'il y a 3 AB pour vous montrer en fait comment se posent les diamants. Et après, je vous montrerai vraiment le résultat. Là, j'ai commencé un peu hier soir pour vous dire à quel point c'est un bonheur. Je suis hyper, hyper surprise de la qualité des diamants et de pose. C'est une pose assez serrée, vous allez vite le voir. Franchement, je suis méga surprise. Donc, au niveau rangement, j'ai pris un rangement Ardot que ma soeur m'a offert pour mon anniversaire. Et donc, on va mettre les roses qui sont du coup des métalliques pour commencer. Vous voyez, je vais vous les montrer en plateau. Ils sont juste superbes. Personnellement, j'adore. Hop.
Normalement, vous voyez les métalliques. Alors, il y a le spot, hein. Il fait moche aujourd'hui. Donc voilà. Hop. Et on va les poser. On va les poser un à un pour que vous puissiez vraiment bien entendre. Bon, je pense que vous entendez de vous-même. Hein. Ça claque ou ça claque pas? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Franchement, je suis hyper hyper surprise. Alors c'est vrai que le fond, je l'ai fait multi parce que et un peu à la pince parce que le multi, en fait, j'aime pas mon multi. J'ai un multi assez classique comme ça. Il faut absolument que je m'achète ceux de Diamant Art Club. J'aime pas. Ça me gêne en fait avec les carrés. De plus en plus, il y a de la cire partout et tout. J'aime pas. Donc on va passer sur ceux de DAC. Mais sinon, à la fin, je faisais en pince. Enfin, à la pince. Donc là, c'est un autre diamant spécial. Donc, c'est un AB. C'est le 743. Qu'on va mettre ici. Et pareil, je vous montre. Mais bon, les diamants AB, en général, il n'y a pas de souci. Mais la pose est hyper serré. J'ai un peu de mal avec ma... avec mon stylet. Avec les habits, c'est jamais facile. Moi personnellement j'adore. Franchement, gros coup de cœur sur la pose. Je pense que pour les personnes qui aiment la pose serrée, j'ai du mal, on va finir par y aller avec le multi. Hop. Enfin, quand on aime la pose qui claque, franchement, on peut que aimer quoi. C'est une évidence. Et les diamants brillent super bien, vous allez le voir, je vais vous montrer après parce que là je suis mal positionnée. Et on va mettre du coup les petites étoiles. Et là je crois que j'oublie un diamant aussi. Bon, ça c'est le classique, c'est le 5200. Ouais. On le connaît tous, en général il y en a à chaque fois. Il a un côté rosé, donc c'est vrai qu'il faut aimer hein, ce genre de AB là. Moi j'aime bien, perso. Et donc il y avait du bleu. Est-ce que c'est un métallisé? Non, je crois pas. Parce qu'on a un bleu, hein, mais non, c'est pas un métallisé le bleu, c'est un phosphorescent. Là pour l'instant il n'y en a pas parce qu'on avait dit qu'il y en avait tout autour du chat. Et donc c'est un symbole qui doit être là. C'est celui-là. Donc il manque un diamant bleu. Sachez qu'ils ont des balisettes aussi. Ils ont vraiment des rangements. Et les balisettes ont l'air vraiment top. Elles me plaisent bien. Voilà pour ce carré et moi je vous prends à la main, là vous êtes sur trépied, pour vous montrer du coup ce que ça rend vraiment. Voilà ce que ça donne, comme vous pouvez voir ça brille énormément. Là où ça brille moins c'est parce qu'il y a des dépôts, hein, forcément, parce qu'il y a de la cire comme je vous ai dit avec mon multi qui m'énerve, qui m'agace. C'est pour ça que j'ai continué après à la pince, mais regardez-moi cette qualité. Voilà, pose ultra serrée.
J'aime beaucoup, j'ai déjà commencé cette partie-là. Et c'est un vrai bonheur, j'ai du mal à la lâcher. Hein. Vraiment, j'ai beaucoup beaucoup de mal. Une fois nettoyée, elle sera mieux parce que je vous dis, entre les poils de loulou, les dépôts de cire et tout, forcément, ça altère un peu le diamant, mais sinon, y a rien à dire. Hein. Regardez-moi ça, quoi. Avec les AB et tout. Vraiment magnifique, j'adore. Je vous mets tout en barre d'infos. J'ai pas de code promo, hein, on s'entend. Par contre, je vous aurai le lien de mes images si vous avez besoin. Restez à l'affût du coup, les 2 dernières semaines de décembre et les 2 dernières semaines de juin de l'année prochaine. On a un petit peu de temps pour juin, mais décembre va vite arriver. Et normalement, vous aurez vu une image masquée. Ce qui est plutôt logique, elle garde l'exclusivité. Voilà, donc vous découvrirez ça en même temps que moi. Voilà, je vous fais des gros bisous. Moi, je vais continuer cette beauté. J'ai hâte d'être aux yeux du chat là. Ça va être pépitas. Des bisous.